En ce printemps 92 et en cet été 92, la Marseillaise se charge en quelque sorte de plus en plus d'un poids, comment dirais-je, de signification à la fois nationale, révolutionnaire. Nous sommes dans une situation extrêmement critique, n'est-ce pas? La guerre est déclarée, il y a eu les premières défaites aux frontières, il y a un mouvement national qui soulève une partie de la France, je dis bien une partie, et en particulier, ne pas oublier que le Midi, et Marseille en particulier, a été l'un des bastions, n'est-ce pas, de la Révolution depuis le début, depuis 1789. Et des volontaires marseillais s'apprêtent à se rendre à Paris pour la fédération du 14 juillet 1792, en commémoration de la prise de la Bastille et de la première fête de la fédération en 90, et ensuite à marcher aux frontières. Et ils sont rejoints à Marseille même par des volontaires venus de Montpellier. C'est la guerre, ce sont les défaites aux frontières, n'est-ce pas? La guerre n'a pas été très glorieuse au début, dans un contexte d'impréparation notoire, de désorganisation. L'émigration de la plupart des officiers qui appartenaient à l'aristocratie a bien évidemment désorganisé l'armée de ligne, et les bataillons de volontaires n'ont pas encore suppléé à cette désorganisation. Et n'oublions pas que la solution, ce sera justement dans l'amalgame des volontaires à l'armée de ligne. Donc, crise nationale, mais en même temps, crise sociale. Je veux dire qu'il y a un véritable conflit de classe, n'est-ce pas, qui sous-tend la crise nationale. Le printemps 92 a été marqué par une poussée très forte des prix. N'oublions pas l'importance du pain, n'est-ce pas, dans la vie du peuple de l'époque, et que le pain entrait pour une très large part dans le budget populaire. On pense que plus de la moitié, n'est-ce pas, du budget populaire était consacré au pain. C'était la base même d'alimentation, si bien que la récolte de 91 ayant été mauvaise, n'est-ce pas, en 92, nous avons une poussée des prix extrêmement forte, accélérée encore par l'inflation, c'est-à-dire par la multiplication du papier monnaie, le fameux assignat, si bien que la crise est extrêmement grave pour, évidemment, la masse du peuple français qui n'a pour vivre que son salaire ou le travail de ses bras. Parmi les paysans, la crise sociale s'aggrave du fait que la féodalité n'a pas été totalement abolie, n'est-ce pas? On dit toujours que la féodalité a été abolie lors de la nuit du 4 août. Non, ce qui a été aboli lors de la nuit du 4 août, c'est la féodalité, comment dirais-je, honorifique, c'est le privilège fiscal. Mais les droits féodaux, proprement dit, n'est-ce pas, n'ont pas été abolis, ils ont été déclarés rachetables. Et de ce rachat, les aristocrates, les seigneurs n'en veulent pas, parce que... Et d'autre part, les paysans n'en veulent pas non plus, parce que les conditions du rachat ont été fixées à un taux très élevé. La poussée paysanne pour l'abolition des droits total, définitif des droits féodaux, sans rachat, amène une scission parmi les partisans de la Révolution de 89, n'est-ce pas? Il y en a qui trouvent que l'on va trop loin et qui veulent stabiliser la Révolution. Barnave l'avait déclaré presque une année avant, n'est-ce pas? Allons-nous arrêter la Révolution? Allons-nous la continuer? Un certain nombre estiment que maintenant c'est suffit, il faut l'arrêter. Et quant aux masses populaires, elles entendent satisfaire leurs revendications. Et nous avons donc au printemps 92 une formidable poussée populaire conjuguée au péril national, dans cette crise, il apparaît très nettement que l'aristocratie est de l'autre côté, que le roi, secrètement, n'est-ce pas, est de l'autre côté aussi, il négocie avec la coalition. Et c'est ainsi que, si vous voulez, l'aspect politique de la crise, finalement, devient l'aspect le plus important, mais avec tout ce substrat national, et tout cela aboutit finalement à l'insurrection populaire du 10 août 1792 et au renversement du trône.